Hello, 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 hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à Paris. Je suis fatigué. Voilà, ça fait bizarre, hein? Ça fait très très bizarre, mais ça fait du bien de voir la famille. On est venu régler pas mal de papiers ici. Voilà, je suis venu à Paris régler des papiers, de la paperasse à fond, à fond, à fond, à fond. Et je viens pour un petit moment de toute façon avec mes enfants, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous donnerai des nouvelles là très 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 bientôt, surtout qu'aujourd'hui je vais chez le coiffeur. Le coiffeur. Oui, je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur. Donc voilà. Et Marois vous donne plus de nouvelles parce que Marois se sent pas super bien et très 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 fatigué depuis son retour de l'avion. Elle est vraiment éreintée, épuisée. On vous donnera aussi des nouvelles dans pas très 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 longtemps. Là, je vais faire des petites courses. Les courses en France, hier j'ai fait des petites courses sur ma vie. Les courses en France, c'est pas les courses à Bali. Faut voir comment c'est cher chez vous. Faut voir comment c'est cher chez vous. Mon Dieu. Waouh. En fait, quand tu vis à Bali, tu deviens radin en France après. C'est pas plus mal. Go devenir radin. J'avais oublié quelque chose aussi, je peux pas vous mentir. Je suis très content d'être en France. J'aime la France. J'aime ce pays. Je l'aime de tout mon cœur. Mais vraiment, faites des sourires. En fait, quand tu habites en Asie, tu comprends que le sourire est trop important. Là, tu passes à une caisse, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de bonne journée, il n'y a pas de. C'est un truc auquel je me suis habitué et j'ai pas du tout envie de lâcher cette habitude. Je le dis tout de suite. Je trouve ça génial. Donc. Ouais, des trucs de ouf. Ouais, pas de sourire, pas de bonjour. Bon, pas partout, j'imagine que c'est pas partout, mais là c'est vrai, je paye un truc à la caisse. Il n'y a pas de merci, bonne journée. Je sais pas. Ça me paraît logique. Les amis, pour ceux qui me demandent, je mets de la cire dans mes cheveux. Je mets juste de la cire, je mets une espèce de pâte blanche. C'est hyper gras, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le top pour les cheveux. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas extraordinaire, mais aujourd'hui je vais chez le coiffeur. Je ne sais pas ce que je vais faire à mes cheveux, mais je vais chez le coiffeur. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire à ma barbe, mais je vais chez le barbeur. Donc on va voir. Pense tout à l'heure. Bon, il fait beau en France. J'ai ramené le soleil. Je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai ramené, mais il fait beau, c'est cool. Vous êtes beaucoup à me dire que ici, ouais, c'est un petit peu triste. Ouais, je vous mens pas que ça me fait un peu bizarre maintenant. Après, on va vite se réhabituer, hein. C'est la France. Moi, j'aime mon pays. C'est mon Fran La France m'a tout donné. Voilà, c'est comme ça. Même si j'y vis plus, j'aime ce pays. Quoi qu'il arrive, j'ai pas encore été sur Paris, mais j'ai hâte de voir les Haussmanniens à Paris et tout ce qui va avec. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est particulier la mentalité ici. Ça faisait 8 mois que j'étais pas venu en France et je trouve ça particulier. Le fait de faire un sourire, tout ça, pour moi, c'était devenu anodin, normal. C'est vraiment un constat assez particulier, ça. J'ai beaucoup dit le mot particulier, je trouve.